Ça va trouver, j'ai vu le propriétaire. Je voulais vous dire, enfin, à la fois notre émotion, notre plaisir et notre privilège d'accueillir avec nous Hajja Al-Hamdawiya. Elle vient d'arriver. Je ne vais pas là vous dire qui est Hajja Al-Hamdawiya. Pour nous Marocains, elle est dans notre imaginaire collectif depuis toujours. Et voilà, Aïssa Ouira. La voir avec nous ce soir et ce matin. Voilà, c'est un rêve de beaucoup d'entre nous, depuis toujours, mais on rêve, on dit, mais c'est pas possible, ça se fera pas. Elle va être sur scène, sur la grande scène, avec Raymond de Bedaouia. Et Raymond, qui était ici hier, pour ceux qui ont partagé ce moment de fin de journée absolument extraordinaire, elle vient tout le temps, mais on se dit toujours, c'est pas possible cette année, ça y est, elle a fait, tout le monde était en transe, tout le monde a dansé, mais l'an prochain, faut arrêter, ça suffit, on l'a vu une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, ils n'ont pas beaucoup d'imagination, ces gens des Saouira, toujours les mêmes, tous les mêmes. Mais en fait, au-delà de Raymond et au-delà de ce qu'elle dit, je crois que c'est surtout ce désir que nous avons de ne pas casser, de ne pas arrêter, de ne pas dire une fois et ça y est, dans ce que nous éprouvons ensemble, parce qu'au-delà du chant, au-delà de la performance artistique, en réalité, c'est une sorte de happening qui, voilà, vient répondre à toutes nos frustrations et à tout ce que nous avons en partie perdu, que nous sommes en train très graduellement, de reconquérir et de retrouver. C'est surtout cela que cela exprime. Et quand ce que disait Rachid tout à l'heure, ce que tu disais aussi, sur le fait que ça n'est pas simplement la nostalgie et ça n'est pas simplement le passé qu'il faut savoir. À Essaouira, nous, on a toujours dit depuis le départ que si nous parlons d'hier, c'est parce que nous voulons que notre histoire que nous sommes en train de revoir et de reprendre et de reconstruire, nous l'écrivons au futur, toujours. Parce qu'il y a quelque chose qui est universel et chacun le sait. L'histoire n'a de sens que parce qu'elle prépare demain. Les peuples, les pays sans histoire n'ont pas de futur. Et donc c'est cela que nous essayons de faire ici. C'est pour ça d'ailleurs que pour ma part, je n'ai pas voulu appeler musée Beit Dakhira. Je refuse le thème de musée parce que le musée, dans le sens conventionnel du thème, c'est hier. C'est statique et c'est fini pour beaucoup de choses. Non, nous, c'est une mémoire pour l'histoire de demain. Et une mémoire qui s'écrit, qui se conjugue au futur. Voilà. Voilà. Alors maintenant, si vous m'y autorisez, je vais passer le micro à Hajja. وغادي تكلم بالعربيه هي كالحاجه اللي بغيتي راه كنعرف كتدوي بالعربيه الفرنساويه واللي بغيتي وانما كان حتى شي مشكل وغادي تعاود لينا ولا راه كانت عندك واحد التجربه مع سليم الهلالي الى بغيتي راه حره انت ديري اللي بغيتي وقولي اللي بغيتي السلام عليكم ومرحبا بكم عندنا ومرحبا بيا عندكم انا جيت عندكم تصويره باش نشوفكم ونزوركم
قال لي نسيو زولين نقول كنت صغيره وسليم الهلالي تيولي ها كيفاش ديري البندير ها كيفاش ديري ها كيفاش بقيت معاه وانا صغيره تيفرح بيا مسكين تيقول لي يا بنتي شوفي شديت هذا الصونو درت هنا فلوس تيقول لي طيح ساعدك ديري لك هكا دير البندير هكذا فهمتي زولين ديما ايوا الله يرحمه مسكين كنت عنده عزيزه في الصغر ايوا بقيت شويه كنت ممثله عاود وليت مغنيه انا بقيت مغنيه بقيت مغنيه هاني باقا كبيره تنغني في خاطركم وان شاء الله في العشيه مرحبا بكم عندنا في الشابيطو انا غنكون في الشابيطو ان شاء الله وشكرا يطول عمركم والله يخليكم جي ديال الصويره قبل شحال هادي تبارك الله كبرت صويره صلى على النبي ياك امتى زياره بزاف ما عقلتش على التاريخ ما كنتيش كنت بزاف هادي لا بزاف هادي سنين ايوا علاش ايوا ما كنجيش كيعيطوا لي جهات اخرين انا موجوده انا صريحه الوقت اللي عيطوا لي ما خليت حتى نوليك دونك جافي كومبري ها افران افران مسيو زولين عاودك ملي مشي ما كنعرفش الفرنساويه ما عرفش مشيت الوقت لنيويورك ومشيت للسويد دالمارك كل بلاد ما عرفش نقول شكرا بالانجليزيه كنت صغير ما نعرفش قلت لهم ثانك يو بمراكش هي فيري ماتش تعلمي الميركانيه بحال الكاس حلو العين الزرقاء هي العين الزرقاء ديال سليم الهلالي والحسين سلاوي الله يرحمه تيغني هالكاس حلو كيقول لك هالكاس حلو محلى السكر والتعربيطه مع السي الحلو انا درت فيها النعناع والشيبه والعنبر بديتها شكرا شكرا Pour ce soir, je crois que ce sera un grand moment. Qui va transcender bien évidemment à la fois la musique, la scène, le festival et tout cela. Et Raymond disait hier que c'était pour elle un seuil qu'elle allait franchir en ayant le privilège d'être avec Hajj al-Hamdawiya. Hein? النجاح ديالها راه كيرجع لك داكشي اللي قالت داكشي هي قالت هي شوفي الحاجه راه كنا هنا جميع حياه غادي تقول لك نعم حياه ريموند قالت لك الا كان ما كانتش الحاجه الحمدويه ما نكونش انا بمعنى الاساس هو انت هي داكشي باش هي كاينه عرفتي شنو لقينا في واحد البلاد خارج على المغرب قالت لي مسكينه الحاجه شنو نغني داك الشيء ديالك قلت لها غني اللي بغيتي والشيط خليه ليا ايا سولي قالتها لنا قالتها لنا اه قالتها لنا سي فغي بصح انا واحد الطبيعه ديالي ما فيهاش الغيره والحسد طبيعتي هكاك من صغري مربيه مزيان ما نغير ما ندوي في حد ما نهضر في حد علاش من عبد الله كيبغيوني الناس كلهم الحمد لله حمد الله تبارك الله عليك Pour ceux qui n'auraient pas compris, donc on parle de sa relation historique avec Raymond, et à un moment donné, dans une de leurs rencontres, je crois à l'étranger, elle disait, hein, elle a demandé à Raymond, est-ce que je peux, ou Raymond qui a demandé à Al-Hajja, est-ce que je peux emprunter, interpréter certains de tes titres ? Il a dit, fais ce que tu veux, mais laisse-moi mon public. غني اللي بغيتي ايوا صح حقيقه هي انا غني انا مزيان منين انت يا وين وانا حوز المغرب الخوامه بتعيب على ربي وانا قلتي تجي وما جيتي وانا حاسبك بدموعي كيفي ها كيفي ها كيفي الحب
بزاف عليك هاكي في وهاكي في وهاكي في ايلي ايلي ادا دا 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 بيتا يتسنى ادا دا 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 اخي لي ما تهنى ادا دا 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 عسيت قاع الليل ادا دا دا جيران شاهدين ادا دا 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 عينيك جوج عدول ادا دا كتبوا الزور ادا دا 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 الله يا هداك ادا دا 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 راني تابعاك ادا دا 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 الله يا الخوت ادا دا دا واش انا نموت ادا دا 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 عليك السؤال جيبوا لي وهداك شريف بوك ميا لا ابوه ولا جدو قبيلتهم جموعه ادا دا 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 وامي لا لا تنحيني تجاك النعاس انا مجاني وامي لا لا خلخل وخلخل وكل شيء دخل الله يوحل وامي لا لا عجبوني ثلاثه عايش لا لا الخير سرتا امي لا لا تنحيا مع الموسيقى شكرا شكرا ميرسي شكرا 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 bon. Là cette fois-ci cette année vous pourrez pas faire autrement hein, comme vous allez rentrer chez vous comme vous allez dire j'étais ici j'étais là j'étais au festival. Vous avez, il y a une seule chose qu'on vous demande, hein, c'est de raconter ce que vous avez vécu. Racontez ce que vous avez partagé. Dites ce qui se passe ici. Et je le dis là, vraiment, en toute objectivité, pour notre pays. Ce n'est pas Essaouira. C'est oublier Essaouira. Mais partager l'émotion que nous vivons et partager cette... proximité, cette capillarité, cette porosité qui est ce fil d'Ariane dans tout ce que nous faisons ici. Et moi je crois, vous savez, à Essaouira, celui qui vous dit qu'il n'est pas soufi ou qu'il y a quelque chose qui n'est pas... Non, mais je le dis vraiment en insistant. Essaouira est une offrande. Parce que Jacques le disait tout à l'heure. Je vous défie de trouver un Occident. Et c'est vrai pour les Alizés, pour les Andalousies, comme pour les Gnawa, le festival Gnawa, et je salue la présence de Mohamed Abdi, l'époux de Naïla Tazi, qui nous rejoindra peut-être tout à l'heure. C'est vrai pour toute la dizaine de festivals que nous avons ici. Les mêmes artistes qui jouent à Paris, à Londres ou à New York, c'est minimum 100 euros le concert. Ici, c'est pour tout le monde et c'est gratuit. Parce que ce qui vaut très cher, et que même si vous payez 100 euros à Londres ou à New York ou ailleurs, vous allez finir le concert, vous allez rentrer chez vous, c'est important. Le concert, on ne sort jamais les mêmes et indemnes d'un moment de grande musique. Mais ici, c'est différent. Mais on fait, nous, à notre dimension, avec nos moyens, qui sont pas loin de zéro. Mais ce qui en sort est grand. Donc le seul retour que nous attendons, c'est que vous partagiez ce message. Expliquer cette complexité qui est tellement riche dans cette ville. Et cette complexité pour nous, non seulement on n'essaie pas de la contourner, mais on va droit devant. Parce que la complexité, l'ignorance, ou le fait qu'on abandonne, on dit non c'est fini, ce ne sera plus possible comme avant, ça on est interdit de séjour à Essaouira. C'est le contraire ici. Mais tout ça a du sens si vous le partagez. Dites-le dans vos familles, dites-le dans vos espaces professionnels. Écrivez. Parce qu'on sait faire cela, mais on est très mauvais en marketing. On passe tellement de temps à faire que ce soit possible
qu'on oublie au passage de dire aux autres que ça existe. Et j'en ai parlé avec Karen. Je vous ai envoyé sur votre mail des extraits pour que ce soit relayé. Mais monsieur le directeur général, vous êtes là. Je ne vais pas vous interpeller, on ne va pas parler affaires, on ne va pas parler business. Ni... Mais écoutez et tirez-en des conclusions qui vous paraissent les plus légitimes et cohérentes avec votre stratégie. Haja, on va revenir avec d'abord. Haja de Salim Lalali ou la Lébrédé. Très bien. أي قلبي قاسيتي الأعداء أي قلبي قاسيتي الأعداء أي من يلي حبك للقلب حلاني أنا نهواك حبك للقلب حلاني بس تشيدوك لا ما عقلتش بالموسيقى لا هو المعنى يا من عاديتيني بغير سباعي بعالي ما تلقى يا مليح في الدار بحالي يا حسرة كي كنت حبيبي ونعاني بيه يا حسرة كي كنت حبيبي ونعاني بيك متولع بك ايام والليالي يا سلام ميرسي برافو عليها دابا هي انا ما كندير الموال صافي ساهله راه تعلمنا مع الصغر مع سليم الصغير حافظه منه العين الزرقاء بلوغيز وما بيلو ريال طال كلشي كنت حافظه منه تعزيزه علي يا بنتي علي حدايا لا لك ها الشطاحات ها التونس ها التونسيات ها المغربيات ها المصريات كلشي عنده وانا هي العزيزه الصغيره عنده بنتي ها يلا حضيني نانا نايضر نانا يا سبيت Je m'appelle Saïd Hlouch, je suis architecte et je viens souvent. Mon ressenti tout de suite, c'est ce côté que vous avez, monsieur Azoulay. Et que j'ai envie de tutoyer parce que je suis tellement proche de votre simplicité. Et souvent, la question qui se pose autour des tables, que deviendra Essaouira ou le festival après Azoulay ? Première question. Mais j'ai une petite réponse pour ça. Parce que tellement d'énergie et de cette simplicité, je suis persuadé que va se créer beaucoup de choses. Vous sentez dans ma voix beaucoup d'émotions, n'est-ce pas ? Autre chose que j'ai découvert par peut-être des formations et qui me permet de dire que demain il y aura une relève, c'est le fait que nos enfants juifs marocains ou ce que j'ai pu voir par rapport à hier, c'est-à-dire des gens, des juifs qui habitent Israël et qui reviennent avec d'autres mélodies ou les mêmes mélodies revues, revisitées, c'est extraordinaire. C'est ça ce qui est la relève aujourd'hui.
C'est cette modernité qui me permet de dire et de croire à demain. Voilà, je voulais partager ce sentiment avec vous et merci de m'avoir donné la parole. Le mieux placé pour apporter une réponse à la question que vous posez, bien évidemment, ce que je peux vous dire, c'est qu'il y aura, et j'en ai la certitude la plus absolue, il y aura après Azoulay, après, personne n'est indispensable de ce point de vue-là, mais ce qui a été construit pendant des années, ce qui a été enraciné, ce que la majorité d'entre nous se sont réappropriés, c'est la réponse à votre question. Ça n'est certainement pas un homme ni des hommes. C'est beaucoup plus grand et beaucoup plus indestructible et beaucoup moins fragile que les hommes. Donc ça, c'est vraiment l'absolue certitude. Et c'est ce qui fait, je crois aussi d'ailleurs, pas la grandeur, mais la force des Saouiras, c'est que ça n'est pas... C'est que c'est ce que nous faisons collectif appartient à tous. On n'a rien inventé. Donc je dis que l'histoire est déterminante. Et il faut être fou pour se priver de son histoire. Ceux qui coupent l'ombilical avec ce qu'ils sont, sont les êtres les plus malheureux du monde. Qu'est-ce qu'il y a de plus précieux que ce lien? C'est pour ça que j'ai dit l'importance du lien et l'importance du lieu. Donc voilà, je dis cela et je le dis à mes compatriotes et à mes concitoyens souris, c'est dans le futur qu'on se projette. Tout ceci n'a de sens que parce que c'est déjà demain. J'ai cru apercevoir le grand professeur Hicham Haïdi qui s'est réveillé très tard, mais il a déjà disparu. Il est... Hicham. Hein, tu t'es baladé? Ben ici, ça marche pas, ici, dans la balade. Quoi. Eh bien, professeur Hicham Haïdi est un être très particulier. Encore un Tangérois, mais enfin bon. Et Saouira est généreux. Et, hein? Ça va nous créer des problèmes à l'étranger, tout ça. Il est venu préparer. Ah, il est venu, mais il est venu en retard, hein. Il a préparé. Bon. Hicham, bon, tu acceptes parce qu'on doit te faire des compliments, donc je vais t'appeler Souris quand même. Sans compliments. On n'a pas des compliments. Il faut qu'on sache ce que tu fais. Hicham est un très grand universitaire à Columbia University, à New York, depuis des années. Il est dans, en tout cas, les sciences de l'anthropologie, les sciences humaines, un disciple de l'école d'Edward Said. C'est pas rien. Hein? Ce n'est pas rien. C'est tout, si tu me permets. Hein? Mais surtout, la première fois que nous nous sommes rencontrés ici, où je croyais connaître un petit peu mon répertoire judéo-marocain, mon terroir, mes chansons, mais... Tu étais là quand le Hajja a parlé ou pas? Tout de suite, là. Le dernier moment. Non, tu vois, s'il y a eu tort d'arriver en retard. Parce que pour tes études, ça t'aurait aidé. Hein. Je préparais André. Hein. Ah, d'accord. Et donc, c'est l'homme le plus expert dans le monde, il faut que vous le sachiez, de tout ce qui touche au répertoire juif de ce pays. Et il a aussi l'inventaire. Ah, il est pardonné, oui, là, je m'en... Mais son livre est extraordinaire. Oui, et il a aussi l'inventaire le plus exhaustif, le plus complet de tout. De tout ce qu'on sait, et surtout de tout ce qu'on ne sait pas, et qu'on ne connaît pas. Et il fait un travail magnifique, magnifique. Et je lui dis, pour ce qui me concerne en tout cas, ma reconnaissance la plus admirative et la plus profonde. Et c'est Saouira qui nous a fait nous rencontrer. Et depuis, j'essaye de suivre ce qu'il fait, mais il fait tellement de choses. Hein. Mais il va nous parler. Et j'aimerais, Hicham,
Tu as préparé un papier. Mais tu sais, ici, tu le connais. You know how it is. C'est la parole libérée. Et j'aimerais, je ne sais pas si tu l'as fait, que tu dises aussi ce que tu as ressenti la première fois quand tu es venu à Essaouira. Et la place d'Essaouira, s'il y en a une, à côté de Tanger, hein, il n'y a pas de problème. Dans tes réflexions et dans ton travail. Merci beaucoup. Et j'ajoute que c'est grâce à toi que j'ai rencontré Karen et que c'est une rencontre qui est aussi très précieuse pour nous. J'ai vu beaucoup de gens à ton initiative. Nous étions ensemble, beaucoup à Essaouira, beaucoup à New York, de temps en temps ailleurs. Mais c'est très précieux pour nous et merci beaucoup. Alors, merci. Je m'excuse pour arriver en retard. Avant de commencer, je ne parle pas très bien français. I'd rather speak in English, mais je vais essayer en français. Mais avant de commencer, trois mots. Excuse my French. Okay. Alors, moi, je suis de Tanger. Je suis allé aux États-Unis, j'étais très jeune. J'ai fait même le lycée là. J'ai presque grandi. Non, j'ai grandi à Tanger, mais je suis allé assez jeune. Je suis politologue de formation. Je travaillais à l'ONU sur les market reforms, libéralisation économique. Moi, je travaille aussi dans la culture, toujours. Et je crois que c'était 2000-2001. J'étais à New York, je suis allé voir un ami, Rachid Halihel de Fès, qui est formé dans le conservatoire de Fès. Il m'a invité à un restaurant à New York qui s'appelle Village Crown. C'est un restaurant où les Marocains, les Juifs marocains, se rassemblent après le Shabbat. À New York, Lower East Side Village. Donc je suis allé là, il a chanté le Shabbat, etc. Il chante un peu Samir Maghribi, il chante Albert Suissa. Et à un moment, il a donné le micro à un monsieur qui s'appelle Sami Habitant. Il est décédé largement. Mais Sami, il avait 65, peut-être 65 ans, mais il a commencé à chanter un répertoire incroyable. Des chanteurs que moi, je n'avais jamais entendu. Félix El Maghribi, Slim El Maghribi, Albert Suissa. C'est des gens de votre génération. Je le connais, mais nous, qu'on a grandi ici, on ne le connaît pas. Donc, quand je suis revenu à Tanger, je suis allé voir Khalid Meshwel, journaliste qui était directeur de Radio Tanger. Et je demandais, alors mes grands-parents connaissaient Samir Maghribi. Ils avaient vu, ma grand-mère avait vu Samir Maghribi à Teatro Cervantes, à Tanger, 1948. Et mes parents connaissaient Selim Hilali, bien sûr. Et à Tanger, il y avait, pour ce genre de musique, il y avait les frères Botbol, partout, bien sûr. Mais ces noms-là, Slim Al Maghribi, John Ammar, etc., j'ai demandé à Khalid Meshwel, il m'a dit, alors, c'est des grands noms, mais ils ne sont pas enregistrés, on n'a pas leur vinyle. Il a dit, on avait un archive à Radio Tanger, mais ça a disparu. Il m'a dit, il y avait une thèse doctorale sur la musique Chaabi au Maroc, ils ont dit que Tanger, il avait le plus grand archive de la musique. Andalou, Chaabi, mais ça a disparu, on ne sait pas ce qui s'est passé. Donc c'est là que le travail a commencé, non? Detective work, c'est detective work, non? On essaye de trouver des vinyles, on appelle les gens, je vais partout dans le Maroc, je trouvais des petites cassettes, ou bien à Casa, il y avait un magasin, Verdun, non? Qui vendait des trucs vieux. Oui, on les a amenés aux États-Unis pour les nettoyer, et après on les a envoyés au Maroc, aux stations radio, aux chercheurs. Donc c'était un travail dur, solitaire, mais 2004, on avait une association qui s'appelait American Moroccan Institute. Alors, on a rencontré un monsieur Azoulay, et c'était une des premières éditions du festival de Andalousie Atlantique. Je suis venu, je crois, 2005-2006, j'ai amené des collègues, des chercheurs, et c'était incroyable. C'était pas que la musique, c'est pas que l'art. Mais ça a mis, pour moi comme chercheur, pour quelqu'un qui travaille dans les sciences social sciences, ça a mis les chercheurs en contact avec les artistes. Donc on avait des sources primaires, voilà. Non, on est venu ici, c'est ici qu'on a trouvé plein de monde. Ben Omar Ziani, moi je connaissais Ben Omar Ziani de la radio, de la télé, mais il était ici. Et il était très gentil, très généreux. Donc on a rencontré tous les chercheurs. Les chercheurs ont rencontré les artistes et c'est là que les projets ont commencé. Les projets qu'on a produits ici, j'ai fait une petite liste.
les bouquins, les livres et les thèses et les films qui sont sortis du Festival Sawira. Il y a bien sûr les films de Kamel. Kamel est ici, j'espère. Ouais. Alors, il y a les films de Kamel. Il a fait un Kamel Tinri Jérusalem. Ouais. Il y a un autre film sur Netal Kayam qui est aussi né ici. Il y a le film, le grand film El Gusto de Safinaz Bousbéa. C'est né ici. El Gusto numéro 2 va sortir aussi. C'est ici qu'elle a rencontré les artistes. Et les livres. Il y a un livre de Ted Swedenberg qui va sortir sur Enrico Macias. C'est ici qu'il a conçu l'idée. S'il y a le film de, il y a un film qui s'appelle de Jonathan Shannon. Je parle que des Américains maintenant, en anglais, la littérature anglophone, mais il y a en français et en espagnol et en arabe. Tu permets, je t'interromps. J'aurais dû dire, et tu m'en excuses, que tu as publié un livre central, toi. Central, dans tous ceux qui s'intéressent à la musique et qui fait autorité dans cet univers-là. Et moi, je suis tellement fier que ce soit un Marocain qui ait fait ce travail, qui a été publié et qui a rencontré ce succès. Et merci Hicham, mais c'est un essai. Oui. Uniquement en anglais. En anglais. Ça va sortir en français l'année prochaine. Mais je vais dire. You hear me? Yeah. Un peu plus. Non, mais aussi, c'est ici qu'on a découvert les grands écrivains marocains qui travaillent sur cette musique. C'est ici qu'on a rencontré un professeur Medlaoui, un professeur Haddaoui, et on a créé un réseau de chercheurs. C'est ici que j'ai rencontré Kamel, Safinaz, Vanessa, qui a un archif de la musique roya, un archif de la musique judéo-arabe. Donc je parlais des livres. Donc juste les livres qui sont sortis, des très bons bouquins, solides sur la musique andalouse. Le débat autour de la musique andalouse, il y a le bouquin de Jonathan Shannon, Performing in Andalus, il y a le bouquin de Jonathan Glasser, Paradise Lost, il y a 3 thèses doctorales, j'ai dirigé une thèse, j'avais un élève, Brian Carl, qui a écrit sur Grenade, dans l'imagination musicale marocaine. Il y a McGill au Canada, il y a quelques thèses qui vont sortir aussi. C'est ici qu'on a rencontré les artistes, qui était très généreux avec nous. Moi, j'ai passé des soirées à la maison de Maurice Medioni à Marseille, où il a une chambre qu'il appelle le laboratoire. Et c'est que des vidéocassettes depuis les années 70, non? Donc moi, il nous prêtait des... Je me rappelle nos rencontres là avec lui ici, c'était extraordinaire. Oui, c'était extraordinaire. C'était Maurice Medioni, grand pianiste, pianiste du jazz, pianiste de la musique andalou, qui vient de célébrer son 90e anniversaire. Et je me rappelle, il était là, ici, là, au coin. Il a commencé. Si moi, je suis un homme heureux à cause de la musique que je joue. C'est comme ça qu'il a commencé le séminaire. C'est Wahran El Bahia. Wahran El Bahia et Salam alaikum. Ouais, ouais. Mais voilà, c'est ici qu'on a rencontré les grands noms. Qu'est-ce que je veux dire autre? Le festival a commencé dans un moment. Très important, critical, non? C'est les années 2002-2003, il y avait 2 choses qui se passaient. La relation était très tendue entre les musulmans et les juifs, à cause de l'intifada, à cause du conflit, à cause de beaucoup de raisons. Mais en même temps, les grands noms de la musique, cette musique, se décédaient. Elle disait, they were dying, right? Les grands noms, il y avait Renette Laurent, il y avait Blanc, il y avait des gens qui se meuraient 2002, 2003, 2004, 2005. Donc il y avait des militants, il y avait des chercheurs en France qui ont dit on doit sauver cette musique, des jeunes musulmans, qui ont dit cette musique peut calmer ce qui se passe dans le terrain politique. Donc c'était des jeunes qui cherchaient un endroit, un espace. Il y avait beaucoup de chercheurs. Et c'est ici qu'ils ont trouvé un home, une maison. On parle un peu pendant ce que je pense pour des autres choses à dire. Mais voilà, hein. Donc c'était très important ce que le festival a fait. Le festival a aidé les chercheurs. Moi, je parle comme chercheur. Le festival a découvert des artistes aussi. Des jeunes voix, je dirais, Netal Kayam, par exemple. La musique, ce festival a produit des recherches. Le festival a aussi créé un archif. Oui. C'est ce qu'on fait, on découvre les... Moi, je cherche partout, je vais au Canada, je vais dans la diaspora marocaine, je cherche les enregistrements
personnel, mais aussi le vinyle. Aujourd'hui, il y en a, hein, c'est tout est en YouTube, mais 2003-2004, il n'y avait pas. Mais ce que le festival a fait, ça a généré de l'intérêt. Et après, grâce au festival, maintenant il y a des blogs, il y a des podcasts sur cette musique. Right? Il y a des blogs comme Tokadim, il y a des podcasts, il y a des podcasts comme Tokadim, il y a des stations, il y a des films qui vont sortir sur ces musiques. Le festival a rendu la musique très importante et on a créé un archive digitale. Quand on a commencé, on avait une page à New York, une page qui s'appelait Music and Memory in Morocco, avec les chansons qu'on trouvait. Mais maintenant, il y a des sources incroyables. Il y a Jewish Morocco, il y a plusieurs. Il y a le Maghreb, il y a plusieurs sites sources pour cette musique. Donc je dirais, c'est ça ce qu'on a fait, mais aussi le festival a rendu la musique andalou populaire. Ça a aidé à mondialiser cette musique. Le festival andalou atlantique fait ce que le festival Gnawa a fait pour la musique Gnawa. Right? Ça a donné une legitimacy à la musique, ça a popularisé la musique, mais la musique Gnawa avait un avantage, c'était déjà populaire dans le monde du jazz. Cette musique, non. Cette musique, c'était les aficionados, il y avait des experts, nos parents, qui connaissaient cette musique très bien. Mais avec le festival, la musique est devenue plus populaire. C'est devenu aussi cool avec les jeunes. Ouais. Maintenant, tu entends des remixes de house music et tu entends la voix de Lili Bonet, Rabbi Wahed. Donc, ça a entré dans le mainstream. Et c'est le festival qui a fait ça. C'est le festival qui ramène les blogueurs, les artistes, les DJ, les chercheurs, les influencers, les gens qui parlent beaucoup. Et la dernière chose, je dirais, la musique andalouse, c'est notre musique, c'est notre musique classique, c'est la musique du Maroc, c'est le visage du Maroc. Mais c'était un peu, je dirais, entre les jeunes, c'était pas populaire, entre beaucoup de communautés. Pourquoi ? Parce que c'était vu comme trop traditionnel, trop patriarcal, trop arabe. Ouais, il y a quelques communautés qui étaient exclues de cette hiérarchie culturelle. Mais ce que le festival a fait, ça a widened, ça a grandi la définition de la musique andaloue pour amener des autres communautés entrer dans ce discours andalou, dans le cadre de la musique andalouse. Donc on a beaucoup fait en 15 ans et je dirais maintenant le défi c'est de comment atteindre les élèves marocains, les étudiants marocains. Donc on travaille avec des chercheurs partout dans le monde, il y a des réseaux, vous pouvez nous suivre sur Facebook ou sur ce que vous voulez. Mais maintenant, c'est les élèves, les jeunes marocains, dans les lycées, dans les universités, comment les exposer à cette nouvelle définition, nouvelle conception de l'Andalousie qu'on crée ici. Merci, excuse my French. D'abord, merci Hicham. Et puis, je vais réagir à ton dernier point qui concerne comment atteindre les jeunes marocains dans les écoles. Et je crois que c'est un point essentiel. Tout simplement parce que dans la vision de l'école, la culture est exclue. Il faut bien dire les choses. Et ce qu'on a enseigné ou ce qu'on enseigne quand on le fait, c'est plus comme discipline que comme élément culturel et fondamental. Et ça, c'est très important. Alors, j'ai bien réfléchi à tout ça. À un moment, j'ai constaté la chose suivante. C'est qu'on ne peut rien faire, je vais emprunter un terme aux mathématiques, sans vecteur. Il faut un vecteur porteur. Parce qu'il n'y a pas de vecteur, on n'atteint pas d'objectif, il faut une orientation, etc. Et les vecteurs, ça ne peut être dans le cas des écoles que des personnes qui ont, je dirais, un certain nombre, je dirais, de qualités. Autrement dit, ce n'est pas un enseignant. Il faut qu'il soit au-delà et plus qu'un enseignant. Et s'il est plus qu'un enseignant, ça veut dire qu'il faut qu'il ait, à côté de son côté enseignant,
ce côté artistique ou ce côté culturel qui va lui permettre de porter un message qui n'est pas un message purement scolaire, mais un message qui est un message qui touche et qui affecte. Alors dans cet esprit-là, on avait imaginé ce qu'on appelait les centres d'épanouissement. Alors les centres d'épanouissement, j'en ai fait créer un certain nombre, il doit y en avoir, enfin il devait y en avoir, je ne sais pas s'ils existent toujours, hein. Mais une dizaine ou une douzaine quand je suis parti. Et l'esprit du centre d'épanouissement, c'était quoi? C'était d'avoir des gens qui sont déjà habités par la musique, par la culture, par les arts plastiques, par tout ce qui peut représenter finalement cet aspect extrêmement humain, je dirais, de l'éducation. Et il est ouvert aux écoles, donc aux écoles primaires, aux écoles secondaires. Il est fait sous une forme qui est d'abord, je dirais, d'un nombre d'heures par semaine, où c'est les élèves qui vont dans le centre d'épanouissement. Ce n'est pas l'enseignant qui leur enseigne, les élèves partent avec leur enseignant, je dirais, dans le centre d'épanouissement, et c'est dans le centre d'épanouissement qu'ils rencontrent justement ces artistes, qu'ils rencontrent ces gens-là, et ils se créent à ce moment-là des liens. Et c'est à partir des liens que l'on construit autre chose, c'est-à-dire ceux qui ont envie de venir par eux-mêmes au centre d'épanouissement. Et le centre d'épanouissement est ouvert de 8h du matin à 8h du soir, c'est-à-dire qu'il va au-delà des heures scolaires. Et il est ouvert le samedi, le dimanche et les vacances. Et donc c'est un lieu de rencontre et je dirais de catalyse en quelque sorte, pour mettre ensemble la jeunesse avec justement le côté artistique. Et c'est là, à mon avis, cet esprit-là, et c'est ce qu'il faut développer. Le rêve, c'était que dans toutes les villes et dans tous les quartiers, on ait un centre d'épanouissement. Et un centre d'épanouissement coûte beaucoup moins cher qu'une école, il coûte certainement moins cher et plus faisable que de former des milliers d'enseignants d'art plastique ou de musique, parce que ce n'est pas possible, tout simplement. Tout simplement, ce n'est pas possible, parce que quand on divise le nombre de places, de classes, par le nombre d'enseignants nécessaires, c'est un nombre tellement grand qu'on n'y arrive jamais. Par contre, avec le centre d'épanouissement, on crée une synergie et une possibilité pour qu'il y ait cet accès. Et je crois que s'il y a quelque chose à faire dans ce domaine, c'est militer pour que ces centres continuent à vivre. Moi, je crois que c'est ça l'essentiel. Et je crois que dans l'esprit de Sawira, et comme élément, je dirais, de point de départ, il y avait un centre d'épanouissement prévu à Essaouira, à l'ancienne école de l'Alliance israélite. Je pense que ça s'est arrêté, ça n'a pas été fait. Ben André, il faut militer pour que ça se fasse. Ouais. Voilà. André, mais je voudrais simplement d'abord saluer l'arrivée de Yael Abekassis, Haja Smaini. Yael Abekassis, c'est la fille Hadi Bint Raymond Lbidawi. Bint Raymond. وصلت معنا ها بنت علي ايه شفتوا البارح يا ال pour que justement pour donner à la fois du sens et illustrer et incarner cette transmission. Yael aujourd'hui est une très grande actrice en Israël et c'est une grande réalisatrice aussi et c'est une des très grandes militantes pour un État palestinien et pour la paix. Donc, tout ce que nous faisons n'est pas désincarné du réel, il faut le savoir. Et Hicham, tu disais tout à l'heure, effectivement, tout ce que tu as fait, ce que le festival a fait pour que nous réapproprions ce que nous avions perdu dans notre mémoire musicale. Mais beaucoup plus que ça. Cette réappropriation et cet univers, cet espace de la musique, d'abord, ici, nous a permis d'être ensemble et de partager musulmans et juifs. Parce que si chacun, de son côté, essayait d'aller dans cette quête de reconstruction de sa propre mémoire, et si l'on faisait, on le faisait chacun de son côté, même si les musulmans le faisaient autour des chanteurs
des poètes juifs, marocains, le faire chacun de son côté n'avait pas de sens. En tout cas, on manquait une partie de la cible. Et donc, nous avons choisi de le faire ensemble, parce que ça nous appartient à tous. Le patrimoine juif marocain n'est pas un patrimoine ethnique, c'est un patrimoine national. Et moi, je veux que mes compatriotes musulmans se le réapproprient avec la même envie, avec la même force et avec la même légitimité que moi. Moi, le Hajj al-Hamdaouia, je ne la connais pas en tant que juif. Je la connais en tant que marocain. Et on ne me dit pas qu'elle est musulmane. Même chose pour les juifs. Et donc, c'est une démarche qui est l'expression d'un souci, d'un consensus qui sont d'abord nationaux. C'est pour ça que Beit Dakira et tout ce qui se construit autour, moi j'ai résisté à la tentation confortable et facile d'en faire une affaire communautaire. Ce n'est pas une affaire communautaire. Ce n'est pas une affaire ethnique. Ce n'est pas seulement juif. C'est d'abord marocain. Et c'est ça l'histoire que nous voulons écrire au futur. Et c'est ça ce passé qui est, lui, mis en perspective pour demain, pas seulement pour hier. Et c'est là que l'histoire prend tout son sens. Et c'est là que cette histoire, quand elle est écrite à deux mains, chantée à deux voix, ressentie par tous, elle est la garante et le fondement et le socle d'une modernité reconquise pour les générations montantes, qui, eux, auront été nourris par quelque chose qui n'est pas pollué, empoisonné par la fracture. Et en même temps, ce festival, Hicham, tu t'en souviens. Et moi, je n'oublierai pas l'an dernier la parole et l'intervention de Ali Awad, ce leader palestinien, de Houda Abou Yacoub, cette leader palestinienne, qui sont venus nous dire aussi comment, dans cet espace à Essaouira, la parole est libre. Comme l'ont dit les Israéliens de la paix qui étaient là aussi. Donc nous ne sommes pas désincarnés, même si nous nous retrouvons pour chanter ensemble, pour être heureux ensemble, ça ne veut pas dire qu'il y a là la nostalgie, la naïveté, trois jours de festival et puis ça en va. Non, on met tout cela au service de quelque chose qui est tellement plus grand que nous, mais qui est tellement vital pour chacun d'entre nous. Nous, je le disais moi souvent, je l'ai dit hier encore, soir, je ne sais pas où, dans l'une de mes interventions, la façon dont j'ai appris à être juif ici, c'est d'abord de respecter celui qui est en face de moi. Et si ma liberté, ma dignité, ma justice, lui, n'y a pas accès, moi je ne suis plus juif. À quoi ça sert? Donc mon judaïsme à moi, que je veux garder, la façon dont il m'a été enseigné en tant que Marocain, en tant que Souhairi, c'est de faire en sorte que ceux qui sont privés de justice, qui sont privés de dignité, qui sont privés de souveraineté, soient en situation et en position de reconquérir tout cela si on les en a privés, on les a privés de ces attributs. Et c'est le message des Saouir. Et quand on est juif, il faut que ceux qui n'arrivent pas à pénétrer dans cette simplicité finalement, mais dans cette réalité, quel est le meilleur moyen pour Israël de travailler à sa pérennité, de garantir sa sécurité pour ses enfants demain, si ce n'est de vivre avec les Palestiniens qui auront retrouvé leur dignité, leur liberté, leur État, pour vivre à côté des Israéliens. Il n'y a pas d'autre. C'est aussi simple que ça. Et je demande à mes compatriotes musulmans de m'entendre, même si cette démarche, enfin, le M est de trop, mais de nous entendre à tous, même si elle est un peu égoïste, parce que quand je fais cela, je protège d'abord mon judaïsme. Moi, je ne veux pas le perdre, mon judaïsme. Et je le perds chaque fois que ce drame continue dans sa litanie de victimes palestiniennes et israéliennes. Ça ne mène nulle part.
ça ne mène qu'au pire, pour tous. Donc, il ne faut pas se priver de le dire. Et ce festival a libéré la parole. Et la musique que nous aimons, nous, on la met au service de cette ambition de paix, pour tous. Et j'étais heureux l'an dernier d'entendre Houda Abou Yacoub et ses autres collègues dire « Oui, on est des combattants de la paix ». Les deux avaient, Ali Abou Aouad avait été en prison pendant je ne sais combien d'années, puis il a dit « Bon, il faut qu'on change de logiciel, on va d'abord parler, se rencontrer et partager, mais pas pour renoncer à la paix, pas pour renoncer pour les Palestiniens à leur cause nationale qui est légitime. Au contraire, pour lui donner ses chances d'aboutir. Et c'est dans cette rhétorique qui est vertueuse pour tous. L'État palestinien est une garantie de la pérennité, de la sécurité des enfants d'Israël de demain. Certains n'acceptent pas d'ailleurs qu'on le dise, y compris du côté arabe, je dirais, ou palestinien. Ce n'est pas une cause gagnée, ni d'un côté ni de l'autre. Alors nous, comme j'ai dit hier, il n'y a pas de free lunch. Notre festival, il est là pour filling the gap, pour approcher, pour rencontrer. Je suis désolé, Rachid, tu me démentiras ou tu me corrigeras, Karen, est-ce que c'est instrumentaliser la musique que de la mettre au service de causes comme cela ? J'en sais rien. Mais en tout cas, pour ce qui me concerne, j'ai choisi d'instrumentaliser. Voilà. Donc, je vais vous passer la parole. On ne peut que souscrire, bien entendu, à ce que vient de dire André, avec sa force habituelle, parce qu'il le pense, il le sent, il le dit très bien. Mais pour te réconforter, ce n'est pas ça, parce qu'il y a deux langages qui sont universels et que personne ne peut jamais changer. Eh bien, il y a le langage, bien sûr, de la musique. Il est universel parce qu'il touche directement, je dirais, à notre sentiment, à nos réactions humaines. Et c'est fondamental. Et donc, il est le même pour tout le monde. Et c'est un langage. Et puis, il y a le deuxième. Je crois que c'est les mathématiques, le langage des maths. C'est pareil. Il est universel. On ne peut pas le changer. Et là, je suis content de vous dire qu'aujourd'hui, on a fait des bons extraordinaires dans le domaine des mathématiques, avec les mathématiques quantiques. Mounir, tu as entendu ? Et grâce aux mathématiques quantiques, on va rejoindre l'autre côté, qui est celui dont on vient de parler, qui est celui des sentiments, parce que c'est l'ouverture pour les algorithmes les plus extraordinaires qu'on peut faire, avec beaucoup d'économies, etc. Et on va rejoindre immédiatement le champ de la musique, le champ, je dirais, de tout ce qui est subtil, grâce, encore une fois, cette fois-ci à un autre langage, et grâce, bien sûr, au développement des ordinateurs, etc. Donc tu vois que tu es au plein centre, non seulement de ce qui est inné, mais aussi de ce qui est construit aujourd'hui grâce à la science. Bonjour, je voulais juste une petite remarque concernant les vinyles. Voilà. Je voulais juste apporter une petite remarque concernant les vinyles. Je suis née à Fès, j'ai grandi avec bien sûr la musique de Samuel Marlebi, Salim, etc. Et qu'on entendait tous les jours avec M. Botbol, c'est le père des frères Botbol, qui était un voisin, ou bien Zohlal Fassia, qui interprétait dans toutes les cérémonies, etc. Je suis partie de Fès avec un petit 45 tours de Salim, que je garde encore précieusement. Et puis, je suis arrivée une fois en Israël en 1974, et j'étais tellement étonnée de trouver à Ramleh tous les disques de Samil, Marlebi, etc. J'en ai pris une dizaine que je garde, bien sûr, très précieusement. La qualité n'est pas excellente de l'enregistrement, mais voilà, donc c'était avant les années 2000, en 1974. On pouvait les trouver à Ramleh, pas à Jérusalem, pardon, à Ramleh, toute la série des disques de, voilà, de la musique judéo-arabe.
Yael voulait dire quelque chose ? Si vous voulez. S'il vous plaît. On va te donner juste un micro tout de suite. Je suis tellement émue de cette beauté, de cette sagesse, de cet endroit. La présence de Dieu ici est tellement... je suis bouleversée. Alors d'abord, merci de m'avoir... d'être ici vivante, quoi. De voir ça, de sentir ça, surtout. J'ai pas assez de mots. Et j'ai beaucoup de confiance... en la nature, quand je vois, quand je marche ici, je vois ces, dans mes racines sont de Maroc, grâce à Dieu, je vais rentrer avec une énorme confiance dans la sagesse humaine. Il y a beaucoup de travail à faire. On est très, l'endroit d'Israël est traumatisé de tous les côtés. Mais avec cet amour que je sens ici, l'amour, c'est pas un mot abstract. C'est très juste ce que je sens. Et je voulais vous dire merci, André, pour tout ça. Il faut l'écrire, il faut le dire, il faut faire passer dans mon pays les gens, la confiance, l'amour. Et je pense que ça va nourrir mes journées et mes nuits. Et merci, merci à vous, merci beaucoup. C'est Mohamed. Merci, André. Vraiment, moi, comme vous, je suis fier d'être là. Et aussi, je suis fier de voir mon pays, le Maroc, faire partie des rares pays musulmans dans le monde où il a inscrit dans sa constitution que l'identité marocaine, elle est multiple, elle est berbère, elle est arabe, elle est juif et musulman. Et ça, c'est un acquis énorme. Vous avez, cher André, tout à l'heure, tu as dit que la musique au service de la paix. Et tu sais combien, comme toi, je suis attaché à ce combat pour deux peuples, deux États, on l'a mené ici. Cette bataille m'a conduit à aller à Gaza, à Ramallah, à toutes les villes, à visiter avec mes amis israéliens de la paix maintenant et ailleurs. On se bat. Et je voulais juste te dire, je venais de recevoir, par hasard, je vais vous le faire en live, que mes amis palestiniens m'envoient cette vidéo en me disant, pour vous dire juste qu'on est dans le vrai, partager, c'est un mouvement que nous sommes en train de créer, la DEPCA, pour résister. Ils me rajoutent, il faut parler à Dahlan. Je vous fais écouter. Un micro. Non, non, tu mets pas sur le bas. Tiens, tu mets. Ils vont mieux laisser ça au technicien. Hein ? Ils vont mieux laisser ça au technicien. Dire qu'on est dans le vrai avec la musique, la culture, et que...
que nous sommes tous dans le vrai. Moi, je connais bien à la fois la Palestine, Israël, parce que ça fait des années que je suis dans un combat, dans le vrai, avec mes amis israéliens, je le dis. Et je continue, malgré la difficulté, André le sait, de me battre. Et je sais que c'est vers ce sens d'ouverture qu'il faut y aller. Et je peux juste vous dire que aussi de l'autre côté, il y a des hommes et des femmes qui bravent toutes les difficultés pour se battre pour la paix. Normalement, on aurait dû arrêter il y a 3 minutes. Mais s'il y a... Élie, tu veux dire quelque chose? Qui? Ah, Cyrine, mais j'ai pas osé, j'avais... Cyrine, vous voulez nous dire à votre façon? Cyrine, vous l'avez vue hier soir sur la scène du Grand Chapiteau. Elle vient de Tunisie. On est vraiment très, très heureux de l'accueillir dans ce festival. Bonjour à toutes et à tous. Bonjour. Bonjour. Oui. Merci. Merci. Merci beaucoup. Pour cette invitation, je suis très ravie d'être parmi vous aujourd'hui et puis pour ce festival. Donc je suis tunisienne, je suis maghrébine avant tout, je suis citoyenne du monde. Je suis originaire de Tunisie, d'une petite ville andalouse qui s'appelle Testour. Et Testour, en fait, a été marqué par la cohabitation de la communauté juive et musulmane. Et d'ailleurs, la mosquée de Testour a sur son minaret l'étoile de David. C'est une mosquée qui a été construite par les juifs et par les musulmans. Et donc c'est un symbole de tolérance, de vivre ensemble et de partage. Moi je dirais en tant que musicologue que vous avez évoqué la musique et donc comme outil, comme moyen de faire passer ce magnifique message de paix, de tolérance, de fraternité. Ceci est tout à fait naturel. Dans la démarche de la musique. La musique est le fruit, ou nos musiques sont le fruit d'un syncrétisme culturel continu, d'un métissage continu. La musique existe à travers tous ces mélanges, toutes ces rencontres. Et je pense que c'est la meilleure façon d'exprimer ce message de paix et de fraternité. Merci beaucoup. C'est la première fois que vous venez... que vous venez au festival et à ce forum. Donc, voilà. Vous n'allez pas nous quitter sans quelques notes. Avec plaisir. Mais voilà. Merci. عشبت فيها ليمون اللي غاروا مني قالوا لي اش عشبت فيها جاوبت اللي جهل فني خذ عيني شوفوا بيها ليمون اللي غاروا مني المغرب كل نغني واليوم السلام المغربنا وكل العالم نغني ونقول يا سلام لا نقل يا نوت علي Thank you.
خضرة زدنا فيها ربي يحفظها ويعليها ويهنيها ويعليها عمري كله راهو فيها أنا اليوم فني نهديها نجمة صدع ربي حضيها عني واليوم لسه Il s'agit d'une adaptation de la chanson, c'est un texte qui a été adapté par M. Abdeslam Khalofi. Abdeslam, pour ceux qui ne le savent pas, donc, est le directeur artistique de notre théâtre. Encore une, et peut-être une, deux questions. Sine Korkos, qui appartient au comité scientifique de Beit Dakhela, et qui est l'un des représentants d'une des plus grande famille fondatrice de cette ville depuis au moins un siècle et demi. Voilà. J'espère que je vais arriver à dire ce que j'ai à dire parce que je suis assez ému de tout ça. J'ai voulu seulement dire il y a 60 ans exactement, ma grand-mère m'avait amené à la synagogue à Tia, qu'on vient de restaurer. Pour la dernière fois, écouter la prière et dire au revoir à Essaouira. Et je me rappelle, il y avait le musée. Et hier, je ne sais pas si vous savez, après 40 ans, 50 ans, on a refait cette prière pour la première fois avec la synagogue était remplie. Il y avait, je ne sais pas moi, une soixantaine de personnes. Peut-être plus. Et cette chanson qui est revenue après 60 ans, et j'étais là, mon grand-père qui était assis dans cette synagogue, donc ça m'a ramené 60 ans en arrière, et c'est cette chose-là que tu as en fait initiée. C'est une chose fantastique et qui donne un grand espoir. Moi, quand on avait quitté, on a dit, ça y est, on ne reviendra plus, le Maroc c'est fini, c'est un passé qu'on n'aura plus derrière nous. Mais voilà, on revient et j'ai eu l'honneur que Dieu m'a donné d'être faire partie de ce comité. Oui. Et je te dis merci. Bonjour, c'est Ali Wamer, je suis algérien de Casablanca, j'y vis depuis à peu près 25 ans et je suis membre fondateur d'un orchestre maghrébin de musique andalouse. Et dans cet orchestre, Sirine représente la partie tunisienne, Amin Debi de Rabat, et c'est un peu, j'ai revécu hier quelque chose d'extraordinaire aussi quand j'ai vu les trois maghrébines, Sirine Ben Moussa, Rim Hakiki et ma nouvelle amie Hayat Boukhris. Et j'avais les larmes aux yeux. Je vis le rapprochement des peuples depuis 25 ans au Maroc. Hier, j'ai vu quelque chose d'extraordinaire. Et en plus, il y avait la cerise sur le gâteau, comme l'a dit Rim Hakiki. Il y avait Enrico Macias, et ça a été quelque chose d'extraordinaire. J'ai partagé ça. J'ai eu des échos favorables, extraordinaires. Les réseaux sociaux, en ce moment, ils font des choses extraordinaires. J'ai eu des échos. Il y a même une personne qui m'a dit, Enrico Macias, ma mère m'en a tellement parlé que je pensais qu'il faisait partie de la famille. J'ai trouvé ça fabuleux. Et bravo pour ce que vous faites, bravo pour ce qu'on fait tous, et bonne continuation. Normal. Donc, voilà. Contrairement aux années précédentes, un mot. C'est
C'est la salle qui décide. Mais on te, ça ne fait rien. On n'est pas démocrate. Pour une seconde. Je suis... Présente-toi. Je m'appelle Abdou Achouba. Je suis producteur de cinéma installé à Rome. Je suis quelqu'un de très proche de M. Azoulay. Et j'appartiens à l'histoire de Essaouira. J'ai fait l'événement Orson Welles en 92 où Essaouira était un village. Et la fierté. Mais ce n'est pas, c'est pas de ça dont je voudrais parler. Essaouira était la capitale du Maroc hein, pendant un temps. Je voudrais apporter un témoignage, puisque j'étais ému hier, comme vous, de voir Enrico Macias, que je n'ai pas vu depuis des années. On était à Jérusalem, juste après la signature du traité de la paix, et on a rencontré un homme qu'on admirait énormément, c'était le président Shimon Peres, la veille. Et le lendemain, on était chez M. Arafat, à Ramallah. Donc on était là, dans sa maison, et on entendait sa sortie pour nous recevoir. On était émus, tous. Et derrière un rideau, le voilà, qui apparaît, et qui venait vers nous, Yasser Arafat. On était figés, émus. Enrico Macias a eu le courage de se lever et d'aller, lui, le premier, vers Arafat. Et c'est une image que je n'oublierai pas, que même Paris Match a censurée. Enrico Macias, il est allé, on s'attendait qu'il embrasse Arafat. Il lui a baisé la main. Et il l'a pris, il l'a embrassé, et il lui a dit, je reconnais tout ton répertoire. L'oriental. Ça, c'est un témoignage. Voilà, on va se quitter simplement par rapport aux années précédentes où nos forums s'arrêtaient le samedi matin. Cette année, on joue prolongation. Demain matin, il y aura la projection d'un film, magnifique film, qui s'appelle Les Guerrières de la Paix, qui a été réalisé par Hanna Assouline, qui vit à Paris, qui est originaire, les parents sont originaires de la communauté juive de Sefrou. Et il y aura, après la projection de ce film, qui montre le combat commun des Israéliens de la paix, et des Israéliennes, c'est les femmes, de la paix, et des Palestiniennes de la paix. Et donc, voilà, je vous invite, pour ceux qui seront encore à Essaouira, à venir ici et nous aurons le film suivi d'un débat pour poursuivre et prolonger ce que nous avons dit ce matin. Bon appétit, et peut-être pour vous ouvrir l'appétit, il y a aussi une très belle exposition dans la salle de droite d'un de nos grands peintres souhaïs qui s'appelle Harabida. Et puis, vous verrez aussi, derrière moi, il y a une grande bibliothèque qui a presque 20 ans et qui s'appelait déjà la bibliothèque du dialogue et de la culture, en gros, enfin, je ne me souviens plus du titre exact, qui dit deux choses, entre autres, mais deux choses principales. D'abord, l'histoire des Essaouira, parce que, hein, moi, je vous le dis, vous ne la connaissez pas. Et lui, il a osé dire, petit village, vous vous rendez compte, dans ce grand endroit du monde, hein. Il ne faut pas recommencer, hein, sinon plus de festival. Tout ce qui dit l'islam éclairé aussi, parce qu'il y a tellement de réductionnisme, il y a tellement de caricatures, il y a tellement d'ignorance. Voilà quoi. Donc on donne la possibilité ici, simplement par le livre, d'essayer d'en savoir un peu mieux et un peu plus. Donc bon festival encore cet après-midi, hein, c'est long programme, hein, ça commence à 16h, donc cet après-midi on est gentil, on commence pas à 3h, on vous laisse le temps de déjeuner tranquillement. Ça se poursuit dans la journée encore par un autre concert, je n'ai pas le programme en tête, et ce soir, bien évidemment, grande
grande soirée de clôture du festival avec des temps forts que j'attends pour ce qui me concerne avec beaucoup de gourmandise et beaucoup de, d'impatience, une entrée de soirée avec ce groupe qui s'appelle Happy Youth, que vous avez vu, qui est absolument fascinant, fascinant, grande révélation de toutes ces dernières années de travail ici, avec aussi un autre groupe qui s'appelle Andalusius. Les deux, c'est ce qu'il disait, ce qu'il se disait tout à l'heure, c'est le patrimoine musical juif marocain revu et corrigé, mais pas seulement par des jeunes, parce que dans le groupe des Happy Youth, il y a quelqu'un qui a 80 ans et qui est magnifique. Il est tellement jeune dans la pensée qu'il développe que franchement, même à 14-15 ans, on n'a pas toujours ce talent. Et puis il y a bien sûr le grand événement de cette édition, c'est Raymond encore, avec Hajel Hamdawiya. Donc Hayat, Cyrine, vous aussi, soyez avec nous ce soir. C'est un rendez-vous à ne pas manquer. Shokran, merci, merci. Et si je puis juste ajouter un mot, on vous offre, pour que vous en fassiez usage, la signature des Sawira. Elle n'est pas très ancienne, elle est récente, mais chez nous, on dit, quand on se salue, salam les koulam, c'est-à-dire salam en arabe, les koulam en hébreu, shalom en hébreu, shalom alaikum en arabe. Donc nous voulons broder nos salutations à deux voix dans nos deux langues, même si c'est un salut un peu, c'est pas bonjour, quoi, c'est un peu plus. Hein. Mais il faut faire cet effort pour l'inscrire dans les neurones, hein, et que ça devienne une formule militante de bonjour. Merci.